c'est Morgan von Brennan. Attends, c'est par ici aussi la scène? Ouf, il a été me chercher lui. Et on se retrouve sur Moonbeat de la mort pour le concert de la mort. Doudou. Il y a des tentations démoniaques, on connaît. On connaît. Bon, ça, tu es tranquille. Alors, on va voir. Merch. Est-ce que c'est... Ah, tout aspect négatif, non. Impulse. Est-ce que le Silence Blaster, ça marche? Ah. Ça ne pète que les protections. C'est ce que je craignais. C'est ce que j'aurais dû faire plus tôt. Ouais, ok. Je me pense les mecs à la gueule. Petite summer jump, c'est envisageable? On a besoin là. Surtout pour la hype. C'est terrible ces mesures qui bouffent la hype. Achetez l'annihilation! Vous allez prendre cher! Oh vache, ça fait toute la barre. Bon, je préfère du... Je préfère du ralentissement à de l'anti-hype, mais... Mais ça fait chier. Ok, la technique d'ensemble, c'est ça. Faut que j'utilise ma merde pour péter les barrières et ensuite je les crame. Et il faut que je protège mes barres aussi. Et bah en vrai, si je peux buter un mec avant qu'il se transforme, ça m'arrange. Ça m'arrange carrément.
On va juste le tabasser tranquillement, ouais. On va servir de lui pour... pour récupérer nos PP et tout, tranquille. Ah. Doute. Qu'est-ce que je... Pourquoi j'ai fait un doute? Je suis complètement con. Je suis complètement abruti. Pourquoi j'attends? Faut que je tabasse aussi. Eh. Hey. Je suis en train de traîner là, mais... Faut qu'il meure en fait. Voilà. C'est bien beau de faire le mariole à faire des doutes, mais il faut aussi gagner le combat. Hop, 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 tu vas où toi? Reviens là. Hop là, vous allez amplifier rien du tout. Il se transforme spontanément. Il se stimule, salaud. Je veux protéger mes barres. Pas grave, toi bien, je protège mes barres, on va se soigner un peu. Oh oui, on va soigner bien. Oui. Crame, on dit notre merch pour. Niquer leur truc. Non, ce mec a la gueule, c'est pas grave, je le prends bien. Une blessure totale, c'est pas grave, je le prends bien. Âge de l'alignation, vous allez prendre cher. Crame, c'est pas grave, je le fais bien. Pop saute sur lui. Il meurt. Condition. C'est probablement un bien meilleur nom, une bien meilleure traduction que je pourrais donner, mais j'avais fait le chercher. Je sais péter mes barres, mais j'y ai pensé, je l'avais prévu. Brim brim. Pourquoi ça me laisse vraiment avec peu de hype, c'est ça le problème. Bouffe la hype ces enfoirés. Ah, 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 ils vont vite. Il se transforme aussi. Nyeh. Je vais protéger mes barres tout de suite. Ouais, 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 t'es pas content. Il bouffe ma hype. Ah.
Enfoiré. Et lui, Swan, là, hé hey. Interdit, je vous tabasse. Oups. Ah non, 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 je vous tabasse. Hop là. Et le soin. Hop là. Et la sèche. Vraiment, elle est pas là. C'est la suite, tout ça, hein. Moi, je voulais juste aller au bas, hein. T'as cette flamme. Non, toi, je te tabasse. C'est juste le... C'est juste les ballons que je vais éviter. Et attention, les moyens. Si ça vous amuse, hein. Si ça vous amuse. Par contre, je ne vous permets pas de vous amplifier, ça c'est interdit. Un enfoiré en moins. Oh. Deux enfoirés en moins. Trois enfoirés en moins. Ah non. Il le vit bien. Très bien, essayons ça. C'est le but, ça. Oui. Et le capot slap. Ça tue. Ça tue. Tranquille. Tranquille, tranquille. L'un de ces bateliers. Où est-ce que je vais comme ça? Ah, cet endroit est beaucoup trop grand. Au secours. Ah, ah. Ok. Ils sont toujours pas... réveillés, alors bah, je vais leur défoncer la gueule, hein. Il en est mort. Il se réveille pas. Pourquoi il se réveille pas, ce con? Ils sont jamais arrivés. C'est vrai que ceux-là, c'était pas des démons. C'était vraiment juste des ballons de basket. Camping A, camping B, le bar. Quel enfer! De manière que je peux en avoir, moi, ou... Aïe. Oula. Ok, donc lui, il se transforme direct.
Tentation démoniaque. Ok. Drag Frenzy. C'est monsieur démoniaque. C'est là que j'attendais. Lui il meurt. Hein? Hey Shredder! Hop là! Il meurt le démon? Ouais! Et Pop Slap? Et il part? Ok, elle commence à bien le gérer. Oh merde! Ça va? Ta question stupide, non? Mais Plate! Délicieuse! Hey! Waouh, vous vous êtes fait défoncer la gueule! Oh! Je me demandais quand est-ce que vous allez nous trouver. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? On espérait pouvoir s'appeler Apocalypse avec vous, ensemble. C'est lundi soir, on s'est fait kidnapper par un groupe chelou. Quoi? Vraiment? C'est terrible. Je suis content de voir que vous allez bien. On savait pas où vous étiez et si vous alliez arriver, alors... On a essayé de discuter avec Apocalypse avant qu'il monte sur scène. Ça n'a mené nulle part, alors on a essayé de les affronter. C'était du 2 contre 4, on n'avait aucune chance, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On a eu de la chance que... Le gros énervé... n'ait pas pu faire ce qu'il voulait, il était parti pour nous tuer. Je suis désolé qu'on n'ait pas été là pour combattre avec vous. Et même, désolé de ne pas pouvoir vous rejoindre. Pas qu'on nous ayons été très utiles. Ah, raconte pas n'importe quoi! Apocalypse, vont se faire abattre et c'est tout! Merci à vous de les avoir. Affaiblis. Je pense pas qu'on ait fait grand chose, mais j'apprécie le sentiment. Et vous, ça ira? Ouais, ça ira. On va se tenir compagnie. Ne vous inquiétez pas pour nous, allez combattre Apocalypse. On sera de retour avant que vous ayez le temps de dire play. Hey, bien sûr, en fait. Dans notre état actuel, on va peut-être pas pouvoir combattre ensemble, mais on a duré assez longtemps pour remarquer quelque chose. Je sais pas à quel point c'est utile, mais on est là si vous voulez des infos sur eux. Cool. Alors, vous pensez quoi de mon nouveau mascara? Vous savez faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à propos du mec qui a pas d'yeux? Le chanteur, il était pas trop agressif, il était surtout concentré sur le fait de garder tout le monde chargé. Celui qui est plein de d'os? Le guitariste squelette, il était si rapide, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça. Heureusement, ces attaques en tant que telles, elles n'étaient pas particulièrement terribles. Mais il en balançait tellement, ça te fatigue. Ok. Le mec dégueulasse. Ah, j'ai encore la nausée, rien que d'y penser. Ce mec dégoulinant balance plein d'horribles attaques, avec tout un tas d'effets négatifs. Il va falloir que vous annuliez ces trucs-là rapidement. Ah, tout va bien, j'ai une grosse langue. Le batteur, c'est un sacré. Il fait rien de spécial, mais il fait juste hyper mal. Ok. Eh, salut les amoureux, ça part? C'est une idée adorable, Gaz.
J'étais un peu sceptique quand tu as parlé de du concours de métal démoniaque pour une petite sortie entre amoureux, mais hein. Eh ben, ça marche bien, hein. Salut! Vous pouvez pas. Vous êtes pas sérieux? Encore ces trous du cul! Sortez de notre tente! Sortez, 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 sortez! Ouais, dégagez! Ah! Un ticket! Ok, ça fait rien. Que je vais rentrer dedans! Ouais! Oh! Oh, un keg! Pour récupérer de la hype sur tout le groupe. Ça, c'est utile. Pourquoi Saïva n'a pas pensé à ça? Les chiottes dans la tente. Parce que c'est débile. Oula, 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 oula. Le tremblement généré par votre combo magnifique et de flex et de pétage de gueule ont révélé un passage secret. Hein? Ok. Étrange marque écrite à la hâte, comme si quelqu'un était désespéré de documenter tout ce dont il pouvait se souvenir d'un rêve avant que ça ne leur échappe. Avec aucun crayon à portée, dans le désespoir. On dirait qu'ils ont décidé d'utiliser du matériel de bureau pas très orthodoxe. Oh! Trois petits sacs de couchage! C'est parfait! À chacun! Tellement mieux que la tente de Saeva où on doit tous en partager un. Et donc, on va juste ignorer le sang partout. Bref, trois sacs de couchage, un chacun, allez. Cette tente a carrément été utilisée dans un genre de rituel démoniaque. Entre les bougies, les textes, les diagrammes écrits dans le sang, tous les classiques. Alors tu penses que c'est un de ces trucs-là où on s'endort, on va se réveiller dans un endroit terrible? Encore plus terrible qu'ici. Allez, on va faire ça. On va dormir dans les sacs de couchage sinistres. Ouais. Je suis sûr que ça va rien faire de spécial. On va juste se réveiller et full life et y aura rien. Je suis sûr qu'on peut sortir de cet endroit en dormant, mais on va explorer. Mystérieux obélisque. Des anciens secrets sont taillés dans l'obélisque. Alors qu'on n'est pas du tout familier avec le langage, on arrive à le lire et à le comprendre parfaitement. Pour traverser, un musicien doit se sentir. Super, faut que j'en sorte le. Naut, c'est là quoi Naut? Il doit se sentir nul. Et. Ta gueule! Attends! Se sentir tout nul et adorer tout ce qui est terrible et dark et invoquer le truc en avant. Genre.
Ouais. Ok. Faut être flamboyant le spectacle, bibibibibib. Voilà. Tour de serveur. C'est un tour de serveur. Rien saisi les plaques. Ça sert à rien saisi les plaques. Blacker Hellraiser sacrifie tout pour un arsenal mortel. Ouais. Des remixes, mais. Ok. Je suis dubitatif. Bonjour. Mémoire effacée. La première fois que vous l'avez trouvé, c'était en s'éloignant du chemin. Et maintenant, vous me trouvez en ne vous éloignant pas du chemin, c'est fascinant. Hein? Ce trou est parfaitement au milieu des chemins et tout. Cette pièce, pardon. Cette petite chanson sur laquelle je travaille, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais sans droit, pourquoi je suis là? Ah, vous devez attendre autre chose. Désolé, mais ici y a rien. Enfin, y a, en tout cas, y a rien de ce côté. C'est chiant toujours ça. Ok. Je suis confus. Confus mais full life. Ok. Chat. Allez les festivals! Vous êtes traversé dans un bastion amical. Ne craignez rien! Ne craignez rien! Moi, le puissant Yad, j'ai juré de protéger tous ceux qui cherchent le refuge dans la zone de camping B. Contemplez mon armure forgée des os des formidables démons que j'ai vaincus! Grâce au pouvoir de la musique! Oui, j'ai vu ta hache, une guitare, c'est stylé. Tu peux te battre avec la musique, c'est stylé! Nous aussi! C'est-à-dire que t'es dans la bastion des groupes?
J'imagine que ça t'intéresse pas de nous aider à taper cet apocalypse? Ah! Alors, vous êtes des compagnons de guerre musicale? Heureux de vous rencontrer! Je suis sûr que vous avez plein d'histoires à raconter des champs de bataille! Désolé de sortir un peu du personnage, mais allez, si vous êtes censé être des guerriers musicaux, faut jouer le jeu, hein. Allez, faut faire la grosse voix et tout. Bah, sortir du personnage, de quoi tu parles? Attends, depuis tout à l'heure, là, tu fais semblant? Nous, on fait pas semblant, mec! Vous êtes sérieux? Vous avez failli m'avoir. Bien joué, voyageur. Donc, tu peux pas te battre avec de la musique du tout, tu fais juste du cosplay. Bien sûr, plein de gens ici font du cosplay. Ça fait partie de l'esthétique du métal démoniaque. Et vous pensez pas sérieusement qu'on peut combattre avec de la musique? Et après, tu veux me dire que les démons existent pour de vrai? Ils existent. Ah, vous avez failli me voir la première fois, mais voilà, faut pas exagérer, hein. Pas deux. C'est courant pour les métalleux d'adopter des styles démoniaques, mais c'est pas vraiment des démons. Bon, buons ce débile en armure, on se casse. Je vous souhaite de voyager tranquille. Brave guerrier, je vais rester ici et accomplir mon devoir. Les citoyens de la zone de camping B pourront dormir sur leurs deux oreilles. D'accord. Cool. Salut. Ok. Wouh. Oups. Enfin, oups. Qui parfois bien les tables. Ah, ils sont trois. Ah, chiant. Ah, chiant. Ah, chiant. Ok, ça commence. Non, ma hype. Ok, ça y est, se transforme. Aïe. On va harpler, je pense, ça régène. Oui, ça marche, oui. Ok, stimulation démoniaque. Oh l'imbécile! Oh, il a cramé les... Ils ont cramé leur protection à ma place. Ah non, ma hype! Ah, c'est un problème. Ah non, j'allais faire la rage de l'annihilation. Ça l'est stylé. Aïe, j'ai mal. Bon, Air Shredder, c'est bien aussi. Ah merde. Je me suis fait retourner le bâton, fait chier. Bon bah je vais juste leur tabasser la gueule hein. Je pense que mort. Ah ah. Ça sent des dégâts à tous les adversaires hein, c'est pas mal.
ce gars qu'on voulait tabasser. J'invoque le Kettlebelly. Non, vous n'avez pas le droit de faire plus de dégâts que les autres. Ça, c'est un problème. Toi, vas-y, fais de la stimulation démoniaque. Aïe. Aïe. Agis-toi, vas-y, fais de la stimulation démoniaque. Il veut pas faire de la stimulation démoniaque. Tu vas voir si tu vas pas faire de stimulation démoniaque. Stimule! Stimule que je t'encule! Il veut pas, hein. Attends, il me déglingue. Ah! Bon, toi, dégage. Au total, t'es mal. Dégage. Et dégage. Voilà, le soin. Savage Jam. Brem brem brem. Une hype pas dégueu, ok. Battle level up. Battle level up, oui. Donc vous voulez atteindre cet enfoiré pour lui défoncer la gueule. On a combien de balles? Pognon 22 000. Allez. Voilà, comment je fais pour atteindre cet enfoiré? Pas un passage par là, quelque part, rien du tout. Il y a l'air d'y avoir rien du tout. C'est hyper rapide ces machins, c'est terrible. Ah ouah! Ok, et ben moi je fais... Non! Je fais... Ah, j'ai l'annihilation! Les mains, hein. Ça fait moins les mains, hein.
Donc le maximum c'est 99. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je pourrais pas trouver autre chose? Ah, c'est pas mal ça. 20% de hype et une chance de récupérer de la hype quand on tape les adversaires. Vendu. Ah, la hype prochaine est... doubler l'effet des mesures de hâte. Ah, c'est pour ça que j'hésite beaucoup quand même. On va le mettre, parce que j'ai senti moi que c'est un moyen d'être violent. Moi je suis pourri. Juste paumé. Petit soin. On va essayer de trouver le camping. Ah. Ah, je suis trop level, il m'a gros plus. Au cours, où vais-je? Dans quelle étagère? À quoi sers-je? Qu'à faire? Ah! Oui, oh elle va vite. Aïe. Oh elle va vite. Oh, 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 Miaou. Miaou. Oh, c'est si violent. Je vais où là? Je suis où? Je suis retourné ici. Camping A, c'est... Attends, ça c'est...
Ah, ça c'est Coping A. Attends, si ça c'est Coping A, Coping B, c'est où? Hein? T'as quoi toi? J'ai pas lu. On a Coping B. Ok. Le Coping B, je vais le Coping A. Hein? Y a un passage que j'ai pas vu là ou... C'est moi qui suis défoncé? C'est un secret que j'ai pas vu ou... C'est moi qui suis défoncé à la kétamine, comment ça se passe? Giga combo. Ouf, des dégâts modérés deux fois à tous les adversaires et ça applique une mesure de douleur à moi pour chaque ennemi touché. Peu chelou, mais ok. 4 sur 7. On n'y est pas, hein. Qu'enfer! Hey, c'est ce journal, cette journaliste. Oui, je me souviens de vous, vous êtes Deathbulb, c'est ça? Vous avez trouvé Daimon? Non. Il n'est pas facile à trouver. Et c'est pour ça qu'on va s'introduire sur scène pour forcer Apocalypse à annuler le pacte. Sérieusement? Waouh! J'imagine que c'est une manière comme une autre de s'échapper du pacte, mais... Rien que l'idée que quelqu'un puisse battre Apocalypse, vous êtes sûr d'avoir toute votre tête. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Tu nous as jamais vus en action. Ah, c'est vrai. Vas-y, Yann. Eh ben, quoi qu'en soit, merci pour l'info. Je m'assurerai d'avoir les caméras qui tournent pour ça. J'ai le sentiment que cette baston de groupe, ça va faire du... Ça va faire un super scoop, mais ouh! En quoi qu'il en soit, je vais vous laisser tranquille. Bonne chance! Oh, cette démarche! Ha! Tu essaies de faire parler Runi? Bonne chance! Runi n'a pas pipé mot aussi longtemps que je peux me souvenir. Il laisse ses actions parler pour lui. Splash! Vous allez pas pouvoir avoir discuté avec toi correctement à l'observatoire, mais... Je voulais juste vous remercier d'être une telle inspiration.
Vous étiez mon héros quand j'étais gamin. Tu savais toujours comment... comment faire du spectacle. T'as vu quoi? Désolé, je peux rien entendre avec la musique et la foule. J'entends que dalle. Tu étais mon héros quand j'ai grandi, quand j'étais gamin. Et d'ailleurs, j'ai sur mon mur le poster que tu avais signé. Quoi? Ah, laisse tomber. Ah ouais, yeah. Oh non, maintenant tu fais juste semblant de m'écouter, hein. Ouais, c'est super. Joël, hey, bah comment on se retrouve? Qui es-tu? On se connaît? Qu'est-ce que... On avait rencontré ce prout? Hey, j'ai passé super temps à dériver, trouver des vieux amis. Sans toi, je serais encore coincé sur le bus, alors merci. La rencontre sur le bus? J'ai aucun souvenir de ça. C'est vraiment moi qui s'est forcé à la kétamine ou... Est-ce qu'on pourrait passer par-dessus le comptoir une seconde? Et déranger la dynamique d'acheteur-vendeur sacré? Aucune chance. Non mais faudrait juste qu'on rentre notre botte dans le visage de ce type là. Ah ouais, il est super chiant, il arrête pas de mettre des coups dans mes canettes et tout. Eh ben est-ce que tu pourrais lui mettre ta grôle dans le visage? J'adorerais, mais il a acheté plein de mon matos pour rester énergétique et il a pas l'air de s'arrêter, donc si je l'assomme, c'est mauvais pour les affaires. Ce sera vraiment débile de niquer mes relations avec un client récurrent sans rien recevoir en retour. Vous voulez que je m'en charge? Payer 10 000 balles. Oh, sois pas si avare. C'est quoi? Je lui ai dit. Si vous achetez une boisson de 3 caractères, je vous le fais. Ça donnera l'image qu'on vend en masse. Et ça va inciter les autres à acheter aussi. Nature humaine, tout ça. Ça va coûter 1998 balles en tout. C'est pas mal. Ça reste beaucoup d'argent. Eh, je fais pas les règles. C'est pas moi qui fais les règles. Mais si, tu viens de le faire. Ah oui. Et alors? Je veux dire, mes acolytes de nous attendre. Ils me diront une fois que vous aurez tout fait. Eh, c'est d'être belge. Eh si, comment pour les affaires? Attends, quand vous êtes rentré, tous les tickets de concert ont été vendus il y a une éternité. Vous saviez même pas que Pokélypse allait échouer jusqu'à ce que j'en parle l'autre jour. En fait, on est ici parce que pour convaincre Pokélypse de... Ouais, j'ai compris, je vois. C'est Barry qui vous a envoyé... voir si je vais bien, hein. Je le savais. Il a jamais cru en moi, il a jamais cru à mon succès. Il faut toujours qu'il envoie ses lèche-bottes pour m'espionner. Eh ben, je suis là. Et quand oui, je dis la vérité. Ah, vous avez pas l'air con maintenant, hein? Écoute, mec, on a soif et cette conversation est aride. Tu vends toujours des boissons ou pas? Ah, laisse-moi deviner. Barry vous a donné un peu d'argent pour que vous puissiez m'acheter des trucs. Parce que je fais pitié. J'ai pas besoin de sa pitié, je refuse votre argent. Prenez ces boissons gratuitement. Ça lui apprendra. En fait, non, je change d'avis, payez-moi. Ouais, non, je préférais boire l'eau d'un marais. Eh bah, qu'est-ce que vous attendez? Les toilettes sont juste là. J'y vais. Bon. Ça aurait été drôle, mais on peut pas. Pas mal de sortes de foule là. Hein. Ah, je vous ai vu. Naviguer sur tout le monde en arrivant. Waouh, ça c'est de la moto. Ah, merci.
Je parlais avec ce démon en ligne. Il disait qu'il avait une moto azur dont il ne se servait plus. Azur, ma couleur préférée, quelles sont les chances? Alors je suis venu ici la récupérer. Mais bon, il y a des pics sur les roues et sur le siège. Comment je suis censé me servir de ça? Ok. Faut que j'aille acheter du Cynix au... au Kaya Connard. C'est comme ça... C'est comme ça que je vais appeler les Yakulites. Les Kaya Connard, c'est pas mal ça. Sachant que j'en ai déjà acheté à... deux d'entre eux, je crois. Là, il n'y en a pas, il n'y a rien. Oh, 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 oh. Je ne vais pas te rentrer dedans, c'est pas le but. Salut. Avant, je faisais du canoë, c'était mon truc, mais... Ouais, le kayak. Allez, allez, faut rigoler. Non, allez, achète. Enfin, j'achète. Vends. Toi, tu vends. Moi, j'achète. C'est fait. Faut que j'en rachète à tout le monde. Honnêtement, avec le pognon que j'ai, j'aurais préféré juste lui filer 10 000 balles direct. Hein. Ça m'aurait pas dérangé. Parce que là, faut que j'aille le chercher, c'est chiant. Ces trucs sur le chemin. Barrez-vous. Non. Vous ne vous empiffez pas. Je vous défonce. Roman des boucs. Mourez. Cordialement. Ouais, 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 c'est monsieur le maniaque, c'est amusant. Meurs quand même. Lui, comment je l'atteins? Je sais toujours pas comment je peux aller le voir. Barrez-vous! Barrez-vous! C'est dégueulasse.
On est bouc, ça dégage. Voilà. On soigne un petit coup. C'est bien. Là. Puis je sais pas. Double projon, moi j'ai bidule. On se protège. Sans ses couvertes, ce genre de choses. Aïe. La hype. Il a mangé toute ma hype. Je vais vous casser la gueule. Saleté. Crève. Non mais Mipe, j'en ai besoin. Dégage. Super, c'est pour ça. Saleté. Non. Où sont ces bateliers à la noix? Lui, je l'ai vu, je l'ai payé. Ça, c'était pas fait exprès. Bon, il devrait être plus loin. Attends, ça c'est juste ça, le camping B? La merde. Il y a littéralement que la note de tente, ça doit pas être ça. Beaucoup trop de ballons ici, quel enfer! Payer pour être sûr que ça mettra full life, c'est pas plus mal. On essaie de pas rentrer dans les. De pas leur rentrer dedans, lui. Oui, monsieur, passez. C'est... Je suis désolé, hein, c'est pas passionnant, mais... T'es sûr que je peux pas juste te filer 10 000 balles? Sérieux? Non, au début, j'avais pensé ça comme ça au pif, mais... J'ai vraiment payé 10 000 balles? Ouais, vas-y, casse-moi pas les couilles. Bon, bah, écoute, Ah, enfin, de quoi, vous êtes peut-être pas si nus, hein? Ça vous intéresserait de devenir des diacolytes? J'ai toujours besoin de plus de bras. Non, je veux juste que tu savates ce mec, comme c'était prévu dans l'accord. Ah oui, c'est vrai, attends,
Bon bah dites-moi si vous changez d'avis, hein. Et si c'est pas le cas, assurez-vous à vous de vérifier le trou secret juste à gauche quand vous sortez du bar. Je sais pas s'il a raté, mais c'est tranquille. Bon allez, une seconde. Ouh ! Un plaisir de faire des affaires avec vous. À gauche en sortant. C'est pas à gauche là, parce que ça c'est pas en sortant. Oui, en fait, maman, on peut parler, maman? On peut pas parler. Vous, Tabasse Apocalypse. Oh, faut vraiment que je regarde ça. Hein. J'ai hâte. Et bah alors, qu'est-ce qu'il y a? On essaie de s'échapper du tournoi? Bah, ouais. Pourquoi? Vous pensez pas pouvoir gagner? C'est pas le problème. Ah ouais? À gauche en sortant. Ah! Ah! Ok. Oh bah merci du tuyau, toujours utile. C'est toujours utile. Oh! Oh oui! Ah, ça va être marrant ça. Ça je le sens. Doute doute! Ça, ça va être marrant. Hâte de voir ce qu'ils font. Romain dit bouquin, toi tu dégages, je crois comment ça fait tes potes. Vous permettez, hein, avant que vous fassiez quoi que ce soit, je vous déglingue. D'accord, on fait ça. Ils ont l'air solides en vrai. J'avais peur de les buter, mais. Mais quoi? Parce qu'en vrai, ils ont pas l'air si. Salut direct. Ok, elle fait quoi? 32% de dégâts sur l'adversaire. Ah, il s'est augmenté avec un contour de bruit. Oh, ça pourrait être pas mal pour Yann, ça. En vrai, ça serait mieux pour Yann que le Arpitch machin. Après, le Arpitch, ça permet de facilement changer l'effet des barres aussi. Hop là. Et ben ça ressemble à la suite, alors on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.